Et salut tout le monde, c'est MathisCraft 106, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des survivants. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Donc je suis en compagnie de Jabura, donc Jabura qui n'est pas là, juste pour l'instant en fait. J'ai commencé l'épisode parce que là il s'est mute 2 minutes, de toute façon je ferai une ellipse s'il n'est pas de retour avant. Pas mal de choses ont changé depuis le dernier épisode. Je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé en attendant qu'il revienne. Après, je ferai une ellipse. Donc voilà. Déjà, Jabu a changé de pseudo. Donc il est retourné aux sources. Il a repris Jabura26. Et il a remis son skin. Donc il vous expliquera ça après. Je voulais juste déjà démarrer. Au moins, j'avais le temps de tout vous expliquer. Donc on a déjà, vous avez vu, rangé un peu tous les coffres. Donc tous les coffres sont rangés. En attendant qu'ils viennent, je vais vous expliquer un peu chaque coffre. Donc sans forcément tous les ouvrir, je vais essayer d'aller vite. Donc déjà là on a donc je vais t'expliquer, j'ai vu en fait. Tu sais l'épisode que j'ai commencé. Bah en fait, j'avais pas filmé. Du coup j'ai repris à zéro et pendant que t'étais pas là j'ai voulu commencer à expliquer tout, donc à reprendre à expliquer tout, et voilà. Donc j'étais un peu surpris, j'ai fuité. Bah du coup j'ai déjà crafté, comme ça on était prêt. Alors les coffres vite fait pour vous expliquer, non d'abord j'avais dit que t'allais expliquer ton pseudo. Pourquoi es-tu revenu au sur, j'ai bu. On l'a torturé pour qu'il remette son vieux pseudo. Bon, en fait, je sais que les... Donc, les coffres, voilà. Donc, on a les torches. Enfin, je sais pas, dans le bordel. Tiens. Mais moi, j'en ai, si tu veux, sur moi. Donc on a les troncs de bois, les blocs de bois, le sable, là c'est tout ce qui est objet en bois, donc voilà. Après on a les sticks, la cobble, on a pas mal de cobble. Après tout ce qui est en cobble aussi. La stone brick craquée, là les comment ça s'appelle? L'andésite poly, l'andésite, la diorite, la stone brick. Le verre, la bouffe, donc voilà. Tous les minerais, on a 39 diamants. Là, tout ce qui est en redstone. Là, c'est les cultures, là, c'est le blé, là, c'est les ingrédients à popo, là, c'est les popos, là, c'est les arcs, là, c'est les flèches, là, c'est les trucs de mob, donc dès qu'on tue un mob. Voilà, les loot plutôt. Là, c'est tous les outils, les épées, les armures, le nether. Les feuilles, les pousses d'arbres, les fleurs, les cannes à sucre, les graines, les livres. Voilà, le truc qui sert à rien, il nous manquait un coffre. Les objets uniques, donc tout ça. Le gravier, là c'est toutes les merdes, enfin tout ce qu'on sait pas où mettre. Donc les seaux par exemple. Mais... tout ce qui est item, et là c'est tout ce qui est bloc qu'on sait pas où mettre. Voilà, donc ça c'est bon. Donc Jabu a fait une petite mezzanine, donc ici il y aura l'ascenseur, c'est son idée, donc très bonne idée Jabu. Voilà, et là on aura la table d'enchant. On s'est dit qu'on avait besoin d'une table d'enchant, donc on a fait une table d'enchant. Voilà, ouais, mais une mieux. Donc là le système, ce sera une genre de table d'enchant pour enchanter soit niveau 1, soit niveau 15, soit niveau 30. Un petit système, voilà. Donc c'est parti. Déjà on a les pistons en bas, on va mettre les bibliothèques. Je pense qu'on en aura pas assez de bibliothèques, il nous en manque exactement 3. Voilà. Ok. De toute façon, 3 ça devrait pas être très compliqué, j'ai du cuir sur moi de toute façon. Donc hop, hop, hop. De toute façon, je vous expliquerai bien en détail le système. À la fin. De toute façon, non, je rigole. Les de toute façon, si on perd tout. Voilà, donc il nous manque que 3 bibliothèques. De toute façon, on ira. Non, je rigole. Alors, la table d'enchant, on va la mettre quand même. Et voilà, une petite table d'enchant. Et du coup,
on va relier tous ces pistons à un levier, donc déjà tous les pistons du bas à un levier, tous les pistons du haut à un autre levier pour différencier. Enfin, pas pour en différencier, mais voilà quoi. je sais pas si on aura besoin de répéteurs, peut-être. Au pire, j'en crafterai. Non. Non. On va essayer de pas en utiliser, ça gaspille trop de redstone, voilà. Enfin, ça gaspille pas, mais voilà quoi. Donc. La redstone, ça sert beaucoup. Tétoué. Voilà. Non. Plus joli comme ça. Et voilà. Donc déjà là, on va dire que le levier sera ici. C'est décidé. Je vais mettre un bloc dégueulasse pour l'instant. On changera après. Et voilà. Du coup, on n'a plus qu'à relier. Normalement, bah, ce sera bon. Hein. Toutes les bibliothèques seront alimentées. Normalement, bah, celle du bas, oui. Là, c'est pas très compliqué. Hein. Donc voilà, déjà. Boum. Ouais, tu peux changer le bloc si tu veux. Donc il nous faut déjà un répéteur parce que le courant ne va pas assez loin. Est-ce qu'on en avait déjà crafté? Eh ben non. On va en faire 2. Ça suffira. Quoi? Ok, bah je le ferai. Il y avait du fer par terre. Je l'ai ramassé comme ça, il était tout seul, abandonné. Le pauvre. Est-ce qu'on a de la stone? J'ai bu. Ouais, c'est normal. Il nous faut pour ça un levier. Donc, comme ça. C'est bon. Du coup, en fait, dès qu'on appuie sur ce levier, ça donne tout simplement un courant de redstone qui passe sur un bloc, donc du coup il alimente le bloc qui touche les pistons, donc ça lève tous les pistons et ça va jusque là. Et donc là j'ai mis un répéteur parce que le courant de redstone n'allait pas assez loin pour répéter le courant, voilà. Et du coup ça fait pareil sur tous les pistons, c'est pas très compliqué. Et voilà, donc regardez, si on baisse on dirait qu'il n'y a pas de bibliothèque, voilà, c'est magique. Faut mettre ça là, et là faut aussi mettre un mur là. Parce que sinon on va avoir un système en fait. Et là aussi. Voilà. Donc je vais crafter les bibliothèques manquantes. Il nous faut de la canne à sucre et je sens qu'on va pas en avoir assez. Si, je crois que... Mais j'ai du papier. T'as du papier. À la cœur. Sinon il y en a dans les dans les toilettes. Alors, 5, ça suffit pas. Il nous en faut 9. Bah, attends, moi je vais dans les toilettes. Hein. En plus, nos échelles remontent aux toilettes. C'est parfait. Parfait. On prend un petit peu de papier. Voilà. De toute façon, il y a la machine qui est là pour ça. je prends. Oh non! Désolé. Je vais mettre une petite table de craft ici puisque ça manque. Voilà, alors 1, 2, 4, ça devrait suffire. Voilà, 9. Et maintenant, est-ce qu'on aura assez de bois? Fuque. T'as pas 3 bois, j'ai bu. Tu peux me les passer, s'il te plaît. Ah, oh, mais pas du bois comme ça. Bah, bravo. Merci. Voilà, on a nos bibliothèques manquantes. De toute façon... Non, je rigole. Là, on peut fermer. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Au pire, si tu casses, c'est pas grave. Hein. Donc, voilà. Là, on va faire... Bon, de toute façon, j'aurais pas assez de bois. Tiens. Merci. C'est bon. Hop, donc on va faire comme ça, voilà. Bon, j'ai bu, améliorera s'il veut, hein. Nous, on y des caca. Voilà, là, c'est très, très, très joli. Maintenant, on va s'occuper... Ah, mais non, il faut que le plafond, il soit de 2. Donc, comme ça.
Bah ouais, c'est plus stylé. Donc là, vous voyez, on dirait qu'il n'y a pas de bibliothèque. Alors qu'en fait... Bon, garde-le, c'est pas grave. Fais comme tu veux, de toute façon. J'hésite entre mettre un levier au-dessus ou en dessous. On va le mettre à côté. Non, au-dessus ou en dessous. On va le mettre au-dessus. À chaque fois, je me trompe de sens. Voilà. Donc là, on va essayer de ne pas interférer les courants de redstoneux. Oh. Bah non. C'est le truc le plus simple. Alors. Je ne comprends pas. Je n'ai pas le cerveau. Voilà. Comment t'as deviné ? Hein ? Maintenant, il faut que je trouve les pistons. Alors, normalement, ils sont par là. Ok, ils sont là. Ça veut dire qu'on va devoir monter un petit peu. Faire un petit escalier, comme ça. Et on va se mettre au-dessus des pistons, à savoir ici. Donc, après, pour voir où ils sont, ça va être compliqué. Ok, déjà, je me suis trompé. Mais what? Pourquoi? Ah, il y en a que deux, c'est vrai. Donc, un, deux. Normalement, il y en a ici aussi. Mince. Donc là, un, deux, trois, quatre, un, deux. Normalement, si je mets là, ça devrait être tout bon. Normalement. Alors. De quel serveur? Ok. donc moi mon le système, ouais, tu peux fermer. Est fini. Voilà, c'était très 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 compliqué. J'ai mis longtemps à chercher quand même. Non, je rigole. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc si jamais, ah non, j'ai envie de faire un truc assez joli. Il me faut du papier, bah oui, on en a encore du papier. Toujours en cas de besoin. Là, voilà. Et voilà. Voilà. Donc ça, pour le levier d'en bas, c'est les bibliothèques d'en bas. Et pour le levier d'en haut, c'est les bibliothèques d'en haut. Donc voilà. En fait, suffit juste de relier un levier au piston d'en haut, un levier au piston d'en bas, et voilà. Voilà. Donc, c'est bon. Je pourrais avoir une solidité 3. Mais je suis même pas level 30, je suis level 28, 3, là, voilà. Donc maintenant, combien de temps nous reste-t-il? Il nous reste environ 7 minutes. On pourrait commencer l'ascenseur. C'est parti. Tu vas faire quoi? D'accord. Donc l'ascenseur, c'est un ascenseur à slime block. Donc je tiens à dire que ce système, il est pas de moi. Même si au départ, en fait, il est pas de moi. J'ai voulu en faire un à ma façon. Donc qui marchait très bien, hein. Mais le problème c'est qu'il était pas très compact. Donc j'ai pris le système de Toy ou Craft Toy, voilà. Et donc, oh putain, ouais. Et c'est exactement son système en fait. Et donc voilà. par contre, il y a une feuille là. Moi je l'ai cachée. Ah, mais le truc c'est que on pourrait pas faire la mezzanine plus haut en fait. Oh putain. Non mais parce que du coup mon ascenseur il faut que je le mette au-dessus parce que il doit aller un peu sous le sol quoi. Mais sinon je vais faire un petit escalier qui monte.
Mais c'est ce que j'ai fait. Donc c'est un ascenseur qui va nous monter avec des slime blocks tout simplement. Donc voilà. De quoi? Bah on est à 1.8, il faut s'en servir du coup. Donc là on va faire un petit genre de système. Et du coup en fait on va remonter. Si on remonte en fait ça sera pas très discret, notre salle des coffres. Donc j'ai une petite idée, en fait on va remonter, ça va nous arrêter avant qu'on monte en haut. Et on va passer un... Enfin, on verra. Voilà. Non, qu'est-ce que tu es? Je pense pas qu'on aura le temps de faire ça avant la fin de l'épisode, mais c'est pas grave. Bravo. Du coup, là, on va mettre un petit bouton. Donc déjà, ça, c'est ce qui va nous propulser en l'air. Ensuite, je vais mettre une table de craft ici. Comme ça, j'aurai pas besoin de faire des allers-retours. Hop. Donc déjà là, il nous faut un piston. On va en faire... allez, 4. 1, 2, 3, 4. Soyons fous, les amis. Ah putain. Ah bon? D'accord. On sait que Jabu est un adepte. Il regarde tous les matins. C'est son grand kiff. Pour moi. Pour moi, c'est une raison de vivre, Dora. Mais en fait, il faut que tu appuies sur espace. Mais non, t'appuies pas bien. Excuse de merde. Ah, j'ai tombé. Mais, what? Par où je suis tombé? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oh putain, je sens que je vais devoir faire un grand détour, là. Coffre. Ok. Ok. Alors, je pense que ça n'interférera pas. Après, j'en sais rien. Donc là, on va mettre une redstone. C'est pour qu'en fait le bouton... Fais ta vie, mon petit jab-jab. Petit jab-jab. Donc là, il nous faut un répéteur. En fait, on doit relier le bouton au piston pour que le piston nous fasse sauter dès qu'on appuie sur le bouton. Donc on va essayer de faire ça le plus compact possible. Donc là vous voyez, si on appuie sur le bouton, ce courant s'allume. Le truc qui est ici, il vient de s'éteindre évidemment. Donc du coup, ça va donner de la redstone là. Ça va donner une impulsion à la redstone à ce bloc. Que ce répéteur va récupérer, il va en donner à ce bloc. Et cette redstone va la récupérer et va alimenter ce piston. Donc... Oh putain. Merde. Merde, j'ai tout défoncé. Ah, j'ai compris pourquoi. En fait, oui, très important, il faut un bloc qui ne puisse pas bouger à côté du... I-N-U... Attends. I-N-U-T-I-L-E. C'est pas compliqué. Donc là, il faut mettre des fours ou des... ou de l'obsidienne à côté des blocs de slime pour pas que ça les emporte. Enfin, pour pas que ça arrache tous les blocs qui est à côté, quoi. Sinon, ça fait un gros carnage. Du coup, en fait, nous, on va mettre des fours, parce que c'est plus simple que de l'obsidienne. Donc, voilà. Sinon, en fait, le slime block va monter tous les blocs qui est à côté, vu que ça va tout coller, en fait. Donc, voilà. Du coup, on va mettre nos fours. Donc, vous les mettez aux 4 blocs autour du... Bah, du slime block. C'est pas très compliqué. Donc, voilà. Là... Il va monter et redescendre normal. Je crois qu'il faut en mettre un. Ah oui, il faut aussi en mettre. Là. Non, pas là. Bof. C'est pas mon truc, disons. D'accord. Je te laisserai faire. T'as le mec.
Mais tu regardes une petite vidéo et voilà. Putain. Donc voilà, déjà là on a le truc qui va nous propulser en l'air. Est-ce que tu peux venir m'aider, Jab Jab? En fait, va falloir. Mais what, mec? Mais en fait, on est super proche du de en haut. Du coup, limite, on aura besoin de faire qu'un étage. Mais j'ai dit. C'est vrai. Mais c'est pas grave, c'est plus pimp. En fait, il faut tout simplement creuser jusqu'en haut. Donc faire un genre de petit trou. Voilà. Donc là déjà, vous pouvez voir que si on fait ça... Wing. Wow. Ça décoiffe. Donc là, il faut creuser, faire un genre de petit trou. Est-ce que... Le pire, c'est qu'il s'éclate, il est en mode... C'est trop bien. J'ai bu. T'es sûr que c'est vrai? Putain. Arrête ça. Donc en fait, normalement, il y a un système qui fait que... Ouais, on va le faire. Ouais, il faut un deuxième truc. Donc là, en fait, on va faire le deuxième piston qui va nous propulser encore plus haut. Donc là, faut faire un genre de T bizarre, en fait. Donc, pour pas que le piston, pour pas que le slime block emporte tout ce qui est à côté. Putain, on est déjà à 22 minutes, j'ai bu. Bon. On finira au prochain épisode. Donc en gros, je vais juste finir de vous expliquer. Là, il y aura des tripwires, donc des crochets, qui vont faire qu'à chaque fois que vous passerez là, il y aura des pistons au-dessus qui feront boing et qui vous feront monter plus haut. Donc ça vous propulsera encore plus haut. Et après, il y aura un truc qui vous fera, qui vous tapera dans la tête et qui vous fera sortir de l'ascenseur. Voilà. Du coup, on finira ça au prochain épisode. On a déjà fait pas mal de trucs aujourd'hui. La pise, la vie. La pise, ça s'écrit pas comme ça, c'est un S à la fin. Ah bon? Si, si. Hashtag, il y a deux F. Hashtag pédou. Bah, j'en sais rien, je crois, ouais. Stuff inutile. Donc voilà, on aura fait la table chante, on aura commencé l'ascenseur. En tout cas, j'espère que cet épisode avec le retour de Jabu vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner. Ça nous fera super plaisir. En tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, bye bye.